Bonsoir à toutes et à tous, les amis. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme où que vous soyez. Nous sommes en direct du studio 2 du centre de production de Mbala 2. Regard ce soir sur les demi-finales du 6e championnat d'Afrique des Nations qui a accouché d'une finale prometteuse. Mali-Maroc. Également au menu des 70 prochaines minutes. De 70 prochaines minutes, les Lions indomptables. Les Lions indomptables en plein Waterloo ce soir du côté de Limbé. Les raisons d'un échec, c'est analysé bien sûr avec nos invités. Et quel invité des invités XL qu'on ne présente plus. À ma droite, il a connu son moment de gloire avec le canon de Yaoundé. Une très belle carrière en Indonésie. C'est Emmanuel Babouanké Sack, pilier pour les intimes. Emmanuel, j'imagine que ce n'est pas la grande joie, mais bonsoir tout de même. Bonsoir, bonsoir à tous vos auditeurs et à tous vos téléspectateurs. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas le sourire. On nous envoie vite au lit ce soir. Mais on devra se remettre rapidement, c'est aussi ça le sport, savoir écrire fair play et se relancer. À ma gauche, elle a été annoncée depuis bientôt une semaine, elle est enfin avec nous, ils ne sont pas misogynes. Ici, à Tour de Chane, elle est enfin là, c'est Dorette Etémé qui nous fait l'amitié de nous prêter son expertise ce soir. Et ancienne internationale des Lions indomptables, elle est passée par le canon rival bien sûr du côté de Nkol Ndongo, une très belle carrière du côté de Marseille et du PSG, reconvertie dans le staff de cette équipe du PSG, elle est ce soir dans Tour de Chane, c'est une grande première. Dorette, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Raphaël, bonsoir téléspectateurs, bonsoir Manu. Bonsoir. On aura peut-être quelques images de votre carrière du côté du PSG, carrière comme entraîneur, c'est une très belle carrière, Dorette. Eh bien, c'est une reconversion. Aujourd'hui, je suis reconvertie entraîneur, préparatrice mentale maintenant pour accompagner les joueurs, optimiser la performance des sportifs, justement, on va voir cet aspect mental qui a dû manquer aujourd'hui et pour d'autres pays qui ont peut-être pu l'avancer, ben, ils sont devant aujourd'hui, ils sont qualifiés pour la finale. Vous nous plongez déjà de plein pied dans la seconde balise. On en parlera dans une trentaine de minutes avec, bien sûr, peut-être les raisons d'une défaite qui cible peut-être une défaillance mentale. Mais on va prendre tout de suite la direction du stade de Japoma à Douala. On nous attend nos reporters, nos envoyés spéciaux. C'est Simon Nyonga et Jean-Cyriac Bessé avec qui on va refaire ce match entre le Mali et la Guinée. Victoire difficile au tir au but, messieurs. Good evening, Raphaël, and good evening, Jean-Cyriac. Welcome to the Japoma Sports Complex. It was the last match of the complex. Remember, Japoma was hosting Pool B of the competition. Today was the last match they were to host in this competition, and it was done so well. Despite the fact that it was a match that for us was not very, very up to the taste and the expectations of the people, because everybody expected that a semi-final should come with lots and lots of fireworks. The two teams came to observe each other, Jean-Cyriac, but they observed each other for too long, so much that even in the first 30 minutes of the first half, we had almost nothing to put to take home about. Il y a eu 120 minutes de spectacle ici au stade de Japoma pour que finalement on se retrouve à l'épreuve des tirs au but. 120 minutes avec pas mal d'étincelles de part et d'autre, des occasions de scorer qui ont été vendangées, à la fois côté Sili National de Guinée et côté malien. On n'a finalement pas eu de quoi départager les deux sélections nationales. On est passé finalement aux prolongations, des prolongations qui ont accouché de l'épreuve des tirs au but. C'était à l'épreuve des tirs au but que les deux équipes ont dû se départager. Vous l'avez vu à travers ce pénalty loupé par le joueur phare de cette sélection nationale de Guinée, Morlaye Sylla. On aurait pu attendre un loupé de tout le monde, sauf de ce joueur, mais c'est par lui que l'élimination de la Guinée est passée. It is usually said that the best players are very poor when it comes to post-match penalty kicks. Once again, it was confirmed out here at the Japoma Stadium with Morlaye Sylla, who stands as the playmaker, the best player, the only ball juggler for the Sili National of Guinea. He is the one who dictated the pulse of their game. Unfortunately, he is the one through whom defeat or elimination is coming for this competition. It's all ended out here. Lots and lots of goodies we saw with the two teams, though the play style was very, very much lackluster. But we saw some good players with Yanya Barry, especially up front for Guinea, who scored the only goal
in this match. Unfortunately, it was disallowed because he's caught from an offside position. Il faut tout simplement retenir que désormais, c'est l'équipe de la Guinée qui prend la direction du stade de la réunification de Douala Bepana pour la petite finale. Et on attendra l'équipe du Mali à Yaoundé pour la finale prévue le 7 du mois de février prochain. Une belle finale, on l'imagine. Les Maliens vont jouer leur deuxième finale of the African Nations Championship. The first time was in 2016. They lost against the DR Congo out there in Rwanda. It is thus ended out here. It is the last contribution from the Japoma Stadium. Gideon and Rafael, it was nice doing business with you guys. Over to you. Merci à Simon Nyonga. On vous attend très vite ici à Yaoundé. On va poursuivre bien sûr avec ce match de classement et cette finale. Il y avait bien sûr le défi sportif qui est presque manqué. Mais attention, les Lions, ils doivent se reprendre dès samedi ici. Ils doivent se reprendre samedi pour la troisième place et cette belle finale. Côté organisation, on va relever le défi. Dorette, vous avez regardé ce match entre le Mali et la Guinée. On s'est régalé parce qu'il y avait comme une espèce d'insouciance entre les deux formations qui ont prené le jeu tout au long des 120 minutes. Mais Raphaël, c'était un match en jeu, c'était un derby et on a vu que les deux équipes voulaient se qualifier et on s'est régalé. On a vu qu'on arrive à la séance de tir au but et voilà, ce qui n'a pas été le cas pour nous aujourd'hui. Mais on a vu que ces deux équipes-là, contrairement au match de poule où elles se sont illustrées, elles étaient prêtes. Tout le monde voulait arriver en finale aujourd'hui et le meilleur, ça s'est départagé au tir au but. Emmanuel, est-ce que l'enjeu n'a pas brisé le jeu? On a vu les deux équipes, certes, commencer pied au plancher la première partie et puis on a eu des blocs qui sont redescendus très bas, les lignes ne se desserraient pas. On est arrivé aux 120 minutes. Est-ce que l'enjeu n'a pas pris l'ascendant en cette fin de match? Oui, l'enjeu, mais bien sûr. C'est vrai que les deux équipes, c'était un match ouvert aussi. Hein. C'est vrai que plus on s'approchait vers la fin du match, les équipes ont commencé à jouer serré, ils ont reculé. Il faut aussi savoir que les entraîneurs ont misé sur les pénalties, puisque de part et d'autre, il y a eu des changements qui ont été faits. Il y a même eu un remplacement de gardien de but, ça veut dire que les équipes ne voulaient pas se jeter à la fin, même si c'était un match ouvert. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de but. Mais on retient que les deux équipes étaient vraiment à la hauteur de la compétition. Et les consultants Excel sont avec nous. Joseph-Antoine Bell dans les prochaines minutes. Mais tout d'abord, direction Paris pour l'ami Kaba Diawara. Ah, le PSG, le UM parfum du PSG sur ce plateau. Kaba Diawara, bien sûr, entraîneur adjoint de cette équipe du Sili National, est en direct de Paris. Il a bien sûr regardé ce match entre sa Guinée et qui affrontait bien sûr le Mali. Les choses ne sont pas bien passées. Kaba, tout d'abord, Kaba, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, comment vous allez? Vous allez bien? Oh, ça ne va pas si mal que ça, Kaba. On ne va pas sortir les mouchoirs. Mais ça va. L'optimisme va reprendre le dessus. Ainsi va la vie du football, malgré cette défaite. Vous connaissez qui est tombé tout à l'heure du côté des Limbé. Un véritable naufrage. Mais Kaba, restons sur ce match entre le Mali et la Guinée. Quelle analyse faites-vous de ce match? J'imagine aussi un sentiment de déception. Hein? Très, très déçu parce que bien sûr, on avait espoir de passer en finale et voilà, les garçons avaient tout fait bien, je pense, depuis le début de la compétition, et le fait de se retrouver là au penalty, on sait que c'est la loterie, mais voilà, c'est un petit peu cruel de perdre comme ça, et surtout parce que c'est notre meilleur joueur, certainement le meilleur joueur de la compétition, qui rate son penalty et qui élimine entre guillemets le pays. Mais Kaba, restez avec nous. Je voudrais poser une question à Dorette. On attend peut-être aussi Joseph-Antoine Bell qui sera avec nous. Dorette, est-ce que l'épreuve des pénalty, on parle d'un geste technique qui s'apprend? Kaba parlait tout à l'heure de loterie. On sait que les avis divergent, pas toujours la loterie, c'est un geste technique qu'il faut bien appliquer. Je pense sincèrement qu'il ne s'agit pas d'un geste technique. Sur les dernières séances, avant ce genre de match à élimination directe, je pense que les entraîneurs préparent cette séance de manière très très sérieuse. C'est un geste technique appliqué, certains peuvent choisir la force, certains peuvent choisir la finesse, mais c'est aussi un moyen, un moment de concentration. Il faut que le joueur ait des outils de préparation mentale sont aussi très importants en ce moment-là. Il faut que le joueur arrive à rester dans son tunnel de concentration pour pouvoir faire abstraction de toute
toutes les données des spectateurs et de tout l'enjeu à ce moment-là et réussir à mettre son pénalty. C'est vrai que moi, ça m'est arrivé de rater un pénalty sur la qualification de la Coupe du Monde et ça reste encore à travers la gorge. Mais c'est un peu ça, c'est un geste technique et il faut s'appliquer. Ça se travaille aussi également, donc... Voilà, c'est pas de la loterie, voilà. Mais Pelé lui l'en tirait très peu. J'imagine que ce geste est quand même. Non, ça reste sérieux. Ça, on dit toujours chercher petit filet. Ouais, mais ça reste de la loterie, hein, parce que ça lui dit à Diawa du Black Star. Bon, c'est Pelé qui te parle. Ça reste de la loterie parce que généralement, vous pouvez faire des séances avant la compétition. Vous allez répéter les meilleurs qui marquent généralement pendant les entraînements. Ils les loupent souvent pendant le match. Quand on parle de loterie, c'est bien parce que les meilleurs joueurs du monde qui ont souvent marqué, ont souvent raté les pénaltys. Je me souviens du pénalty de manqué de feu Maradona, de Messi, de Ronaldo. Parfois, c'est un peu très compliqué. Donc, c'est pour ça que Diawa parle de loterie et je suis d'accord avec lui. C'est une loterie puisque vous visez un endroit et le gardien aussi pense la même chose. Il prend le pénalty. Et parfois... Dorette, le débat est libre. Voilà. Ouais, la parole, si tu as fait des pénaltys. Manu, je ne suis pas d'accord là-dessus parce que moi, je faisais partie des meilleurs tireuses du pénalty et je pense que c'est l'aspect mental de concentration qui m'a manqué ce jour-là. J'étais envahie par le stress et je pense que le meilleur joueur, en général, les meilleurs joueurs n'arrivent pas sur cet aspect-là, ils n'arrivent pas à marquer le pénalty. Ce n'est pas question de mental. Allez-y. Voilà, mais je pense que là, à ce moment-là, il a envahi par le stress et ça se travaille exactement. Mais tu peux avoir tout le mental que tu veux. Mais je choisis de tirer à droite et le gardien tombe à droite. Parle-moi du mental là. On dit, regardez toujours le dernier pied du gardien. On a vu Roger Milesi face à la Guinée après avoir monté trois buts. On en reparlera tout à l'heure. Le temps peut-être de rester avec Kaba. Kaba, on évoque cette équipe du Guinée qui partait avec un a priori favorable Kaba. Elle a eu des temps forts dans ce match. À quelques moments, on a eu... C'est un peu le mal guinéen. On a eu l'impression qu'il y avait des problèmes de finition, Kaba. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est un peu le mal guinéen, que ce soit avec l'équipe API ou même l'équipe A. On a toujours des problèmes d'efficacité devant le but. Et voilà, on a pu se rendre compte qu'en première période et sur la fin même de la prolongation, on a l'occasion d'aller marquer ce but qui nous aurait fait du bien. On ne l'a pas mis au fond et on se retrouve à jouer ces prolongations et perdre après au tir au but. C'est vraiment dommage. Kaba, restez avec nous. Colette Doret, restez avec nous. On va repartir du côté de Douala. On va certainement retrouver Lolita Bilois, qui se retrouve bien sûr du côté de Japoma, avec les réactions d'après-match. J'imagine que ce sont des réactions partagées. Victoire côté Mali et déception côté Mali. Bonsoir, madame. Et bienvenue au stade de Japoma à Douala, où vient de s'achever la demi-finale Mali-Guinée. C'était la dernière rencontre inscrite au programme de Japoma dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations 2020. Le Mali a donc écrasé la Guinée, 5 tirs au but contre 4. Et il est donc désormais installé dans son fauteuil d'attente de la finale. Tout à l'heure, dans la mix zone, les Guinéens ont annoncé rester fair play et se préparer pour les prochaines compétitions. On a été manqué parce qu'on a fait 120 minutes, on a perdu un tir au but. Vraiment, c'est ça aussi le foot. Il faut qu'on gagne et un perdant. On a beaucoup travaillé et Dieu n'a pas voulu qu'on gagne. On a perdu un tir au but. C'est toujours pas genre de perdre. C'est cruel. Oui, c'est comme ça avec le foot. On a perdu le tir au but. Il faut qu'on se concentre encore. Prochainement, on va gagner, Inch'Allah. Ouais, c'est très décevant de perdre avec l'équipe malienne parce que une fois du début jusqu'à maintenant, là, je suis donné à fond et puis perdre avec contre le Mali, c'est très décevant. C'est une douleur. C'est un truc quoi, inoubliable, quoi, tu vois. Mais bon, c'est le football, on va accepter. Et il nous reste un match, la troisième place, parce qu'on ne peut pas venir faire au moins une bonne compétition sans avoir quelques trophées. Mais c'est pas grave, c'est le football. Enfin, tu sais plus que beaucoup meilleurs joueurs marquent son pénalty. Non. Il a l'habitude de marquer. Mais aujourd'hui, bon, Dieu a voulu comme ça, ainsi. On n'a pas le choix, on va accepter comme ça. Comme il nous reste encore un match, peut-être il pourra au moins se rattraper à travers le match. Là. On n'est pas décevant quand même.
parce qu'il n'a pas, il a marqué, il a raté le tir au but. Le Mali, quant à lui, peut désormais espérer un sacre continental, même si ça n'a pas été facile pour lui. Il fallait compter les minutes du temps additionnel, les prolongations et puis les tirs au but. Mais finalement, la victoire, elle a été malienne. La première des choses, je tiens à remercier vraiment la population du Mali. Les appels, avant le match, on a eu trop d'appels, la famille, les parents, tout un chacun, le soutien des Camerounais qui sont au Mali ici, et qui sont au Cameroun ici. Vraiment, c'est grâce à eux qu'on a eu cette victoire et on va tout faire le plus de maximum de choses vraiment pour leur faire plaisir. Mais une première mi-temps un peu plus compliquée cet après-midi. C'était vraiment compliqué parce que depuis le début du match, on a eu deux changements à faire. Donc c'était très compliqué, on ne s'attendait pas à ça, mais au fur et à mesure, donc du coup, on s'est dit qu'on va essayer de jouer le match. Donc voir, le plus important, c'est qu'on n'encaisse pas le but. Dieu merci, on n'a pas encaissé, on n'a pas l'occasion, on n'a pas marqué. Dans le foot, si tu ne marques pas, il ne faut pas encaisser. Donc, ça. Et vous, voilà, nous sommes très contents d'avoir gagné ce match parce que ça fait longtemps qu'on a commencé à préparer ce match-là. Donc notre objectif est de venir prendre ce coup pour aller au Mali. Mais le morceau n'était pas facile à croquer. Oui, mais une équipe qui vient au demi-finale, là, c'est vrai que ce soit un match très compliqué. Bonsoir à vous en studio, je vous renvoie l'antenne. Merci à Lolita Biloa et la grosse bise. Dans une dizaine de minutes, nous irons du côté de Limbé où nous attendent nos envoyés spéciaux, Germain Noël Essengue et Wilson Lebga. Peut-être que le temps de faire un détour, ils sont déjà signalés. Monsieur, juste une petite patience. Le temps juste de faire un détour. Si Joseph-Antoine Bell nous rejoint dans les prochaines minutes, Joseph-Antoine Bell qui va se signaler. Dorette, je voudrais vous poser la question. Oui, il est là, Joe. Joe, bonsoir, comment allez-vous? Moi, je vais bien, mais je sais qu'en tant que Camerounais, je vais pas bien, évidemment. Dieu, on sommes dans cette première balise qui consiste, bien sûr, à analyser cette victoire du Mali. Le Mali qui arrive en finale au terme d'un match un peu fou, un peu d'insouciance de part et d'autre. Je vais vous dire, j'étais au stade, c'était a priori un bon match, mais en technicien, je reprocherais évidemment aux deux équipes d'adopter une façon de jouer qui aujourd'hui commence à devenir un petit peu courante, c'est-à-dire qu'on sait faire des passes, mais sans jamais la passe à 10, et qu'on ne semble pas avoir pour objectif d'aller au but. Donc, résultat, on se crée très, très, très peu d'occasions de but, et on a vous parliez d'insouciance, on a l'impression qu'on est insouciant par rapport au nombre d'occasions de but. Et donc, c'est fort logiquement qu'on va arriver au pénalty. Puis c'est vrai, j'ai entendu Kaba dire que les équipes guinéennes, que ce soit A' ou A, ne marquent pas beaucoup de buts, ne sont pas réalistes, ont des problèmes de finition. Mais aujourd'hui, c'était criard. Mais, en tout cas, personnellement, je suis reparti avec une satisfaction quand même. Elle n'est pas du côté de Kaba Diawara. Elle est du côté du Mali. J'avais dit la dernière fois que si vous voulez aller loin, il vous faut avoir un bon gardien. Les Maliens ont un bon gardien. Je suis content qu'il ait arrêté un penalty parce qu'il était bon dans le jeu. Il dégageait de l'assurance. Il est très bon au pied. Et c'est le seul joueur du Mali qui pensait à chaque fois à mettre le ballon devant et à le mettre bien. Donc il voulait qu'on marque des buts. Et je reviens sur l'histoire du pénalty qui serait de la loterie. Un pénalty dans le match n'est pas une loterie. Pourquoi serait-il devenu loterie dès qu'il faut en tirer 5? Donc c'est un geste technique et les joueurs ratent des gestes techniques. Même les plus grands ratent des gestes techniques dans le match. Ils ratent des passes, ils ratent des contrôles et là on rate un pénalty. Et celui-là n'est pas raté, il faudrait qu'on rende justice à celui qui l'a tiré, il n'a pas raté son pénalty. Le gardien dans les buts pour arrêter les pénaltys, et quand il en arrête un, vous ne dites pas que vous l'avez raté, le gardien l'a arrêté. Joe ? Donc voilà, oui. Restez avec nous parce que nos envoyés spéciaux du côté de Limbé, ces signaux, on va faire une petite entorse à la structuration de cette émission et prendre la direction de Limbé, où Germain Noël Essengue et Whitson Lebga sont déjà positionnés. Ils reviennent bien sûr sur ce Waterloo, cette soirée Christ du côté de Limbé avec les Lions Indomptables qui ont déjoué cet après-midi. Monsieur, bonsoir, comment allez-vous? J'imagine que ce n'est pas la très grande forme, Germain.
Hello there and welcome to the Limbe Omnisports Stadium where proceedings have ended with regard to the second semi-final fixture. A 4-0 bashing of the indomitable Lions of Cameroon inflicted on them by the tournament's super favourites, the Atlas Lions of Morocco. Now it is clear that Cameroon will play in all the sides of this tournament, starting from Yaoundé that pushed them to the quarterfinals, Douala that sent them to the semi-finals, and Limbe that is sending them back to Douala. The clear message from this 4-0 humiliating defeat is that it is only proper preparation that will prevent poor performance. We saw a lackluster indomitable Lions side. We saw players who didn't seem convinced, who had lost what we call here the Lions fighting spirit. And many people were present here in Douala, in Limbe, to watch what was happening. Amongst them are those who say it is time for the Cameroon football authorities to sit down and think on how to push the sport forward. For the authorities have done their best by giving the infrastructure, Jemmanuel, and it is time to make the players fit enough to enjoy this infrastructure. Vous ne dites pas si bien Vincent Levga, Raphaël Nkwagidjon Tazo, bonsoir. C'est un match à très vite oublier, ce match des Lions Indomptables ce soir face à une belle équipe marocaine qui a dicté sa loi face aux Camerounais. On a vu une organisation tactique extraordinaire de la sélection marocaine qui joue avec 3 défenseurs centraux, il faut le faire. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a ce genre de dispositif. 3 défenseurs centraux, 2 arrières qui venaient là pour renforcer la défense et surtout 2 joueurs devant cette défense-là, parmi lesquels Ben Mamère, pour rentrer en cas de défense. Ça fait au total 7 joueurs marocains en situation de défenseurs au moment où cette base arrière était sollicitée. C'était donc là le dispositif qui a dérouté carrément l'organisation camerounaise aujourd'hui. Une équipe des Lions Indomptables qui a joué sans conviction, une équipe qui a pratiquement donné 3 buts aux Marocains, en dehors du 4e but qui était pour moi un but école. Les 3 autres buts ont été carrément offerts aux adversaires, Raimi, Kelab et autres, avec beaucoup de facilité. Donc c'est dit que le Cameroun a joué sans conviction, le Cameroun n'avait pas d'envie sur le terrain, ça ne ressemblait pas à un match de demi-finale. Maintenant ça c'était sur le terrain. Les causes endogènes à présent, c'est la copie pâle que le football camerounais présente aux yeux du monde, la guerre intestine entre la fédération et la ligue professionnelle de football, une guerre qui ne s'arrête pas, l'absence d'un championnat véritable est à l'origine de ce qui arrive aujourd'hui. La plupart des équipes dans cette compétition disposent d'un championnat normal qui se joue. Le Burkina Faso est à la 17e journée, le Mali joue 18 journées, les autres équipes ont au moins un championnat en dehors d'une équipe comme la Namibie où on n'a pas joué depuis 18 mois, mais ailleurs on joue quand même, au Cameroun rien du tout. Je pense qu'il est temps que les instances nationales s'asseyent, se regardent dans la même direction pour organiser un championnat normal, pour organiser un championnat jeune. Et il faudrait, à mon avis, que les différentes sentences soient, n'est-ce pas, exécutées pour que ceux qui doivent être là arrivent là et que le football naisse et que nous ayons droit, n'est-ce pas, au football. Ce n'est que là que nous pouvons nous relever. Parce qu'on ne sélectionne pas les joueurs au quartier, évidemment, dans une compétition. Merci Raphaël, merci Gideon Tazo. Jean-Manuel Essengue, droit dans ses bottes. Jean-Manuel Essengue qui rentrait de plein pied dans cette seconde balise pour analyser bien sûr les freins qui ont bridé le plein épanouissement de cette sélection des Lions Indomptables A prime. Mais on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a du bon et du moins bon. On en parle dans une dizaine de minutes. Le temps de libérer l'ami Kaba Diawara qui est toujours avec nous. Il est du côté de Paris. Kaba, on va parler de cette équipe du Mali. On l'a vu dès la première journée face à l'équipe du Cameroun. Elle envoie du jeu, hein? Oui, c'est clair. Le Mali qui faisait partie des grands favoris avant la compétition, ils l'ont prouvé dans le premier tour qu'ils avaient vraiment une très belle équipe. Ils ont fait peut-être un petit peu moins bien en quart de finale, mais ils ont su quand même résister aujourd'hui. La première mi-temps qu'on leur a imposée, nous on a baissé un petit peu physiquement, ça leur a permis de faire une bien meilleure deuxième période. Et après, bien sûr, avec leur gardien expérimenté qui a su
arrêter ce penalty sur la fin pour permettre à son pays d'être en mesure d'accéder à la finale. L'occasion d'en reparler abondamment en ce qui concerne cette notion, cette fraîcheur. On parlait de la récupération qui est une notion fondamentale dans cette sixième édition du championnat parce que avec la disparité des états de forme. Je voudrais d'abord poser la question à Dorette. Dorette, on a eu l'impression que les équipes étaient un peu émoussées lors des prolongations et la notion de récupération a pris toute son importance. On se dit que la fraîcheur va être un déterminant, une clé de réussite en ce qui concerne les matchs. Mais la récupération, c'est un point très important pendant les compétitions. C'est pour ça que juste après des matchs, les préparateurs physiques s'y mettent tout de suite. Et un match en plus ou 120 minutes de jeu, c'est très, très important. Donc, on l'a vu aujourd'hui, que ce soit pour le premier match ou le match du Maroc contre le Cameroun, où on a vu les joueurs complètement émoussés. À la ramasse, émoussés. Donc, c'est super important de prévoir ces aspects-là lors des compétitions pour les staffs techniques. Pelé, la récup. Ouais, moi, je ne vois pas comme ça. Et le Cameroun avait 3 jours de récupération par rapport au Maroc. Quand on totalise. Pas du Cameroun, non. Non, je dis dans l'ensemble. Et les équipes, moi, je ne les ai pas trouvées. Moussé, c'est la qualité de jeu qui. Chaque équipe, le Mali a joué son jeu. La Guinée, c'était un très beau match. Le deuxième match, le Cameroun avait 3 jours de plus de récupération que le Maroc. Et là, c'était de qualité de jeu. Quand l'autre équipe est meilleure et qu'ils sont bien organisés, on ne peut même plus parler de récupération. On a été dépassés sur tous les plans. Il n'y a pas question de. Parce que le Cameroun a eu le premier match qu'ils ont joué. Ils avaient deux jours de récupération sur le Mali. Ils ont joué le dernier match. Ils avaient plus un jour. Quand on totalise, ça fait 3 jours de récupération. On parlera bien sûr. Donc on peut pas parler. On parlera bien sûr des freins qui ont brûlé le plein épanouissement de la sélection nationale. Mais Kaba, un mot également sur cette récupération, cette fraîcheur. Exactement, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de pays qui, dont le championnat n'était pas en compétition. Ils ont dû se préparer différemment. Nous, en Guinée, on était partis au Maroc, on avait fait un stage. Je sais que le Cameroun aussi a eu beaucoup de problèmes. C'est clair qu'il faudra récupérer. C'est les mettre au mot. En fin de compétition, le mental prendra bien sûr le dessus. Kaba, merci d'avoir été avec nous parce qu'on doit basculer rapidement dans la seconde balise qui nous attend, qu'elle concerne bien sûr les Lions indomptables avec cette soirée manquée, cette sortie complètement manquée du côté de Limbé. Kaba, merci et à très vite. Merci à vous et bon courage pour la suite. Merci, c'était Kaba Diawara qui était avec nous depuis Paris. Place maintenant à la chronique du Chan. Kessine, Gérard Grofis qui revient bien sûr sur les grandes tendances de ce premier tour. Avec Gérard Grofis, on va s'arrêter, essayer de jeter un regard au rétro et faire quelques projections sur cette sixième édition du championnat d'Afrique des Nations. C'est la chronique du Chan, Kessine Gérard Grofis. Encore quelques jours et l'on connaîtra le nom du vainqueur du 6e championnat d'Afrique des Nations. Il brandira la coupe, il sera accueilli chez lui avec faste, les victoires dans le sport compensant souvent, mais provisoirement, les désillusions du quotidien. Et le lauréat pensera d'autres succès, tandis que les autres, enfin presque tous, commenceront à sortir le réquisitoire des vaincus, si ce n'est déjà fait. Ceux qu'on applaudissait la veille, je pense aux entraîneurs en particulier, seront mis au rencard pour ne pas avoir saisi le trophée. C'est ainsi après chaque compétition, je dirais presque après chaque match. Que voulez-vous, dans le sport, on aime rarement les battus. Le public est impitoyable. La première remarque qui me vient presque au terme de cette compétition, c'est que le Cameroun a balayé toutes les réserves et plus encore porté sur la capacité du pays à organiser le grand rassemblement des joueurs locaux. Je n'ai pas oublié les prophéties du président, ancien président, puis un nouveau président de la CAF. Si vous vous y retrouvez dans le triangle CAF, FIFA, TAS, écrivez-moi. Non, je n'ai pas oublié le même s'il n'y avait que 4 équipes, le Cameroun ne serait pas capable de l'organiser. Eh bien non. Le Chan se termine et dans la presse, je n'ai pas lu de critiques. Au contraire, les participants, quel que soit leur sort, paraissaient très satisfaits de ce qu'ils avaient vécu. Les stades, je n'en parle pas. Tout le monde a été surpris de les voir si beaux, majestueux comme ils devraient toujours l'être. Attention, ils devront être l'objet de tous les soins car dans un an, le compte à rebours sera déclenché. Dimanche soir, il y aura la CAN avec non plus 16 mais 24 équipes. Entre parenthèses, je pense que c'est une grosse erreur d'avoir ajouté un tiers de participants.
Les joueurs, n'ayant vu les matchs que par écran interposé, il serait malhonnête de ma part de distribuer des bons et des mauvais points. Mais que ceux qui ont commencé à le faire, ils ne doivent pas perdre de vue que les joueurs avaient deux handicaps, la Covid-19 et pour nombre d'entre eux, le fait de n'avoir pas joué depuis plusieurs mois, certains depuis une année. Le CHAN est une bonne institution, je l'avais dit au moment de sa création. Peut-on l'améliorer ? Peut-être en l'organisant à une autre date. Pourquoi ne pas organiser un sondage auprès de chaque association nationale ? On pourrait également leur demander s'ils sont favorables à la possibilité pour un pays de faire appel à des joueurs opérant en Afrique dans un championnat autre que le leur. Autre question, puisque les joueurs sont tous des nationaux, ne serait-il pas juste que les entraîneurs le soient également ? Sur ce point, j'y suis personnellement très favorable. Un dernier mot à l'adresse des candidats à la présidence de la CAF. L'élection aura lieu dans exactement 37 jours. Cessez de chuchoter à l'oreille des électeurs. Organisez des conférences de presse afin d'exposer vos programmes respectifs aux journalistes qui les répercuteront. Et n'oubliez pas la vérité du moment. Les mois qui viennent et probablement les années vont être difficiles pour le football et le sport dans le monde entier. On le voit en Europe. Et nul ne sera épargné. L'argent ne coulera plus à flot. C'est aussi bien écrit que bien dit. Gérard Grofis qui signe bien sûr la chronique du CHAN au quotidien dans Tour de CHAN. Joseph-Antoine Bell est avec nous. Joseph-Antoine Bell, on va basculer de plein pied dans le dur de cette édition. On est bien sûr avec les Lions indomptables pour décrypter bien sûr les freins qui ont bridé le plein épanouissement de notre équipe ce soir. On va bien sûr évoquer le 11 en clan qui va s'afficher d'un moment. Le 11 en clan de Martin Tungoumpile, on l'a vu, il y avait cette volonté d'aller chercher cette équipe marocaine avec une seule pointe basse et deux relayeurs, deux voltigeurs, comme qui dirait, et une attaque à croix tête. Est-ce qu'on a été un peu audacieux ? On était trop ambitieux, Joseph-Antoine Bell ? Je ne sais pas si on était trop ambitieux ou on s'est simplement trompé. Mais permettez-moi de dire une chose, juste une toute petite sur la chronique, parce que sinon on va nous désigner des ennemis qui n'en sont pas. Lorsque le président de la CAF a dit que le Cameroun n'était pas prêt, il avait ajouté en ce moment, à ce jour. Donc, et à ce jour, c'était il y a 2 ans. Donc, il ne faut pas nous désigner des ennemis qui n'en sont pas, puisque par la suite, c'est lui qui a absolument voulu que les compétitions viennent au Cameroun, parce qu'il a vu les efforts que le gouvernement camerounais produisait. Maintenant, pour revenir au jeu, je vais commencer par dire ma satisfaction d'avoir vu des joueurs handicapés sur l'ensemble de la compétition se battre, se donner, et contribuer finalement à se faire accuser à la fin. Mais ils ont montré beaucoup de détermination, beaucoup de foi, ils avaient un bel état d'esprit. Ils ont réussi ce que je souhaite chaque fois que je vais dans un pays qui organise une compétition, dans le dernier carré, parce que comme ça, on est sûr qu'ils vont arriver à la fin, ils vont jouer au moins la petite finale. Ils l'ont fait, donc bravo à eux. Maintenant, sur le jeu, nous parlions l'autre jour, souvenez-vous Raphaël, et je vous avais dit que le Cameroun n'avait pas les moyens de jouer haut. Le Cameroun n'avait pas les moyens de faire jouer le Maroc qui joue déjà. Donc c'était une erreur de monter et de prétendre aller chercher les Marocains, on leur a facilité la tâche. On allait courir plus, et on allait être exposé. Et si vous courez plus alors que vous avez moins de carburant, évidemment, c'est vrai, quand on est assis à la maison, on se dit, mais comment il a pu faire une erreur pareille ? Sauf que le type qui court et qui est à la limite de son souffle perd de la lucidité. Et comme déjà au départ, on savait que nos joueurs commettaient beaucoup de maladresses techniques. Aujourd'hui, ils ont joué encore plus haut, couru plus. Mais ils ont commis encore plus de maladresses techniques face à une équipe plus à droite. Il ne leur a pas fait cadeau. Donc, elle a exploité toutes ces maladresses techniques. Dorette, je voudrais me tourner vers vous. Joe évoque ce dysfonctionnement, ce déséquilibre qu'on a eu dans cette équipe du Cameroun, dans ces différentes lignes qui se sont dilatées au fil des minutes. J'avoue qu'ici, on a prôné
ce système en arbre de Noël, d'aller chercher Créo, cette équipe du Maroc, avec ces deux voltigeurs, est-ce que finalement on n'a pas été rattrapé par nos disparités, des états de forme un peu disparates de nos joueurs? Raphaël, je pense sincèrement, déjà féliciter les Lions, ils sont arrivés en demi-finale, et comme le public camerounais est très versatile, il fallait une défaite pour voir, pour nous rejoindre, nous les techniciens, dans ce qu'on avait déjà vu. Je pense qu'aujourd'hui que l'entraîneur n'aurait pas dû proposer un 4-3-3, parce que c'est un système qui permet... Mais il est modulable, on a eu quelques fois que c'était un asymétrie. Bien sûr, mais c'est l'animation qu'on met derrière. Aujourd'hui, il a choisi d'aller chercher avec Asana, empêcher la remontée des ballons sur les côtés et se permettre d'élargir, de laisser des lignes. Après, les joueurs aujourd'hui, ils ont donné tout ce qu'ils avaient à donner, mais malgré toutes les lacunes techniques qu'on a vues, c'était limite. On était très contents de les voir se qualifier, mais je pense qu'une équipe c'est pas une équipe en fait, c'est des joueurs qu'on ramène pour faire une sélection en fait. Et là, on n'avait pas une équipe. On les a vus très bien se battre, on les félicite encore. On n'a pas eu le temps de tisser ce tissu collectif. Mais je pense que le collectif, il n'y avait pas. On a vu beaucoup, beaucoup trop de lacunes techniques pour arriver à ce niveau-là et rencontrer une équipe comme celle du Maroc. On ne pouvait pas aller les chercher, aller jouer une équipe comme celle du Maroc, jouer haut. Parce qu'aller chercher une équipe assez haut, on va forcément laisser des lignes. Et le Maroc a bien profité en jouant à 2 à 3, en mettant des principes de jeu. Au début, ils ont été embêtés. On a joué pendant 15 minutes. C'était très, très intéressant. J'étais contente parce que je disais, enfin, le système de l'entraîneur fonctionne. On va les empêcher de monter. Mais très, très vite, on a été très essoufflés. Et en laissant des espaces, ça a été catastrophique. Quoi. Emmanuel, moi, la question, au regard de ce premier quart d'heure, qui était un quart d'heure quand même assez impressionnant au niveau du duel tactique entre Martin Tongoumpilé et son collègue, qui était assez intéressant. On a décidé d'aller les chercher Créo, mais très vite, ils ont su se trouver entre les lignes. Qu'est-ce que l'on fait dans ce cas? On ramène le bloc média, ou on continue à le chercher? On se dit que les Camerounais, on le sait, nos qualités sont des qualités d'impact, de physique. On essaie d'aller au charbon. On continue sur cette voie? Non, c'était un peu compliqué pour l'équipe du Cameroun aujourd'hui, hein, parce que la marche était très haute. Déjà, il faut le dire, que techniquement, tactiquement, ils étaient plus forts. Oui, les 15 minutes, c'était un peu trompeur, parce que les 15 minutes qu'on a joué, tout le monde savait que quand on a vu l'équipe du Cameroun aller chercher cette équipe, on n'avait pas de possibilités, on n'avait pas de qualités, et on n'avait pas cette force-là de tenir. Un match, ça dure 90 Est-ce minutes. Est-ce que ce premier but que nous les donnons ne change pas? On n'a pas donné. Et déjà, avant ce premier but, il y avait une action de but que le gardien a enlevé sur la ligne. Le but, le Maroc mène logiquement à 18 minutes, 20 minutes. Normalement, c'est 2 à 3 buts à 0. Quand vous regardez l'ensemble du match. Je ne suis pas dur. Mais quand vous regardez, pour les techniciens, ceux qui ont regardé, Joe disait tout à l'heure qu'on est allé les chercher dès le début du match. Ça dure, vous savez que 15 minutes à match, c'est beaucoup. Quand vous courez, c'est beaucoup. C'est des temps forts et des temps faibles. Oui, mais on n'a pas eu de temps. Regardez les statistiques. Première mi-temps, le Cameroun n'a pas tiré une seule fois au but. Ils avaient six tirs cadrés déjà, les Marocains. On a été dépassés par tous les plans. C'est vrai qu'on n'aurait même plus joué bas, essayer de limiter les dégâts, mais ça devait... On n'a pas de qualités. Joseph-Antoine Bell? Oui. Est-ce que Emmanuel n'est pas assez sévère avec cette équipe? On ne va pas acheter le bébé avec le du bain. Il y a du bon, il y a du moins bon. Avec cette équipe des Lions indomptables? Je crois que nous faisons une analyse en faisant abstraction des conditions de base des deux équipes. C'est-à-dire que volontairement, nous oublions que nos joueurs n'ont pas eu de compétition pendant un an, rencontrent les meilleurs joueurs locaux d'Afrique qui, eux, ont en plus un championnat. Donc, le fossé est assez grand. Maintenant, pour expliquer encore plus la défaite, dans ce genre de match, lorsque finalement vous êtes affaibli par votre point fort, vous n'avez plus aucune chance. Votre point fort, c'était quoi? C'était votre gardien de but. C'est lui qui est censé tenir la baraque ce jour-là. Et si c'est ce jour-là, il flanche, eh bien, vous êtes fini parce que vous serez donc mené comme on l'a été. Et ensuite, mentalement, si c'est votre général qui tombe,
évidemment, c'est la débandade. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que nos garçons qui ont tout donné, c'est vrai, la marche était très haute. En plus, l'entraîneur, à mon sens, se trompe parce que, encore une fois, si vous voulez aller chercher un adversaire plus loin, en réalité, vous envoyez le message que vous, vous croyez plus fort physiquement parce qu'il va être difficile. Vous annoncez que vous allez courir pour les empêcher de sortir et pour cela, c'est 90 minutes. Je vous ai entendu dire que 15 minutes, oui, mais vous savez, vous, Raphaël, si on vous met sur la ligne du 100 mètres avec Usain Bolt, dans les deux ou trois premiers mètres, vous serez encore sur la photo avec lui. Pour 40-50 mètres qu'on ne vous verra plus et à l'arrivée vous ne serez pas sur la photo avec lui, donc il ne faut pas se contenter de dire oui mais on a tenu mais 15 minutes, on n'était pas venu pour tenir 15 minutes donc je pense que en fait on a raté notre match sur le plan tactique et puis maintenant sur le plan j'allais dire de l'histoire récente, c'est-à-dire on n'a pas de championnat, les garçons ne sont pas en parfaite condition, ils ne peuvent pas tenir. Maintenant, on aurait pu faire illusion, je peux vous le garantir, avec le bon gardien que nous avons, ce genre de match, vous le jouez en mettant le bus devant de votre but et en donnant des consignes. Le peu d'essence que vous avez, c'est pour courir dans vos 40 derniers mètres, empêcher l'adversaire d'approcher et sans commettre de faute. Voilà. Si vous ne commettez pas de faute, vous ne leur donnez pas de coup franc à proximité de votre but. Cela veut dire que le match ne sera jamais débloqué sur un coup de pied arrêté. Et vous êtes là pour les empêcher de jouer en espérant que sur les 40 mètres dans leur dos, vous aurez bien compte. Et si vous ne l'avez pas, c'est des matchs éliminatoires directs, donc vous irez au pénalty. Joseph-Antoine Bell, on aura l'occasion, bien sûr, de revenir sur cette tactique. C'est une tactique que personnellement, j'ai suggéré ce table de Noël, aller chercher cette équipe en se basant, bien sûr, sur notre impact physique et athlétique. C'est un sujet de débat ici en studio. Dorette, qui était également pour. Mais est-ce que, Dorette, on n'a pas failli? On a failli parce qu'on n'a pas su gérer nos temps faibles. Tout au long d'un match, il y a certes eu une baisse de régime sur le plan physique. Est-ce que c'est à ce niveau-là qu'on aurait pu gérer en redescendant, par exemple, en étant très compact, gérer les temps forts marocains et repartir comme ça à l'abordage immédiatement après? C'est un choix de l'entraîneur. Ici, je vais mettre un peu d'eau dans le vin de mon grand frère qui parlait tout à l'heure, en disant que déjà, le système qui a été mis en place, je reviens dessus, le 4-3-3, c'est un système pour pouvoir garder le ballon. Contre cette équipe du Maroc, on ne pouvait pas se permettre de garder le ballon. Je ne dis pas qu'on n'a pas les joueurs pour, mais on a montré trop de limites techniques de conservation de ballon pour pouvoir... On a vu que les ballons sautaient les lignes à chaque fois. Peut-être que c'était le choix en premier mi-temps d'aller chercher Hassana devant, d'aller chercher sur le côté gauche Loïc, mais on n'a pas su le faire. Maintenant, gérer les temps faibles, c'est le travail de notre entraîneur qui, derrière, peut, ou alors son relais sur le terrain, qui peut... Alors, je ne décide pas, mais à un moment donné, c'est un choix de jeu de se dire que si ça ne marche pas, les 10 premières minutes, les 15 premières minutes, on se replie, on attend l'adversaire et on va cadrer, on va presser par zone, en fait. Et ça, on ne l'a pas fait et on s'est fait manger. Messieurs, je voudrais qu'on prenne la direction de Bafoussam. On nous attend Wilfried Koto pour un regard également, un regard technico-tactique sur un fait important en ce qui concerne les buts réalisés, les buts marqués lors de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Bonsoir, messieurs. Bonsoir Raphaël, bonsoir Gideon. Dans notre lucarne ce soir, comment est-ce qu'on marque les buts dans ce champ total Cameroun 2020? Attaque placée, attaque rapide, contre-attaque. On note un fait constant, c'est que la majorité des buts dans ce champ total Cameroun 2020 sont marqués par attaque placée. Pour décrypter ce fait de chaîne, ils sont là, nos experts, les coachs Biakan et Nankam. Alors je vais commencer par le coach Biakan. Qu'est-ce qui explique ce fait? Plus de buts dans ce champ total Cameroun 2020 sont marqués sur des attaques placées. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Ben, normalement, plus de buts marqués en attaque placée, parce que ça veut dire que c'est un football amateur. La plupart des pays viennent là pour faire le jeu. Parce que c'est l'équipe où on va prendre l'équipe, c'est là où on va puiser les joueurs pour l'équipe phare de la sélection. C'est cela que vous voyez, la plupart de ces clubs viennent jouer en attaque placée pour essayer de chercher le but.
Parce que lorsqu'ils vont arriver au niveau de l'équipe première, on peut prendre 12, 13 joueurs qui peuvent retrouver là-bas. On a vu par exemple avec la RDC, on a vu par exemple avec le Mali et le Maroc. C'est une génération qui risque de monter pour essayer de jouer ensemble. C'est pour cela que la plupart de ces clubs et la plupart des pays essaient de jouer en attaque placée. Les attaques placées dans ce champ, on constate que ce n'est pas le fort du Cameroun, ce n'est pas ce qui se fait de mieux dans le jeu des Lions et notamment à prime. Au niveau de la sélection des Lions, c'est un groupe qu'on a essayé de monter en quelques temps. Et c'est des gens qui n'ont pas joué tous ensemble, par exemple comme le Mali, qui a commencé à ses U17. C'est pour cela que là-bas, on ne peut pas faire le jeu. On ne peut pas faire le jeu. C'est pour ça que la plupart, le public, le sporteur camerounais veut voir le jeu. Et on ne peut pas voir le jeu. Parce que c'est un groupe où on a rassemblé certains gars qui se sont retrouvés. Et en plus, on a eu deux entraîneurs qui sont venus. Donc, on a constaté déjà qu'avec le coach Aroga, il a voulu commencer avec cette attaque placée, préparer l'équipe. Ça n'a pas été facile. Mais maintenant, lorsque l'entraîneur vient, il faut faire le football direct. Ça veut dire qu'on essaie de sauter les lignes pour chercher les deuxièmes ballons. Et avec ces deuxièmes ballons, s'il y a faute, on peut prendre des ballons arrêtés. Alors coach Nankam, le décryptage de ce fait de Chan, la majorité des buts marqués sur des attaques placées par les équipes qui prennent part à ce Chan. C'est pour aussi exprimer un peu l'évolution du football qui est devenu total. Tout le monde attaque, tout le monde défend. Et je crois que les défenses sont de plus en plus solides. Ce qui fait que ce n'est plus facile aux équipes d'utiliser soit l'attaque rapide ou la contre-attaque. Parce que même en attaquant, les gars prévoient déjà la transition off-def. Donc moi je dis c'est bravo à la transition off-def, c'est-à-dire que offensive à défensive. C'est-à-dire que dès la perte du ballon, les gars essaient déjà d'anticiper pour éviter d'être pris en compte par une contre-attaque ou bien par une attaque rapide. D'où le grand pourcentage de buts marqués sur attaque placée. C'est-à-dire que la défense est en place, l'équipe est en place et l'équipe adverse essaie de trouver des solutions à travers des solutions de passe, une, deux, des dédoublements, renversements et tout et tout. Un jeu sur attaque placée qu'on ne retrouve pas au sein des Lions A'. Est-ce que faut-il voir en cela le fait que ce jeu sur attaque placée n'est pas inscrit dans l'ADN du football camerounais? ADN, c'est trop dit. Parce que quand vous regardez quand même les matchs du championnat camerounais, il y a des équipes qui jouent bien au foot. Quand vous prenez un peu les catégories inférieures des équipes nationales, joue bien au foot. C'est juste un problème de timing parce qu'on a pris l'entraîneur déjà à la dernière minute. C'est vrai qu'il y a un travail qui a été abattu par le premier et le nouvel entraîneur est arrivé avec la pression, avec des outils bien précis et puis il a essayé de faire ce qu'il pouvait faire. Donc voilà un peu. Mais je crois que l'idéal serait comme le Mali est en train de faire, comme le Maroc est en train de faire, comme la Guinée est en train de faire, comme le Burkina Faso est en train de faire, qu'il y ait cette traçabilité au niveau de nos catégories, quitte à ce que au cours de cette traçabilité, qu'on insère certains qui peuvent apporter un petit plus afin que cette cohésion, ce beau jeu essaie de rester, afin qu'on puisse avoir des matchs plaisants pour nos équipes. La majorité des buts dans ce champ total Cameroun 2020 marqué sur attaque placée, c'est le fait de Chan qui était dans notre lucarne ce soir. Retrouvons-nous samedi prochain sur cette même antenne. Si ça vous charme. Merci à Wilfried Coton. On se retrouvera bien sûr samedi pour se projeter sur la grande finale qui nous attend, finale inédite entre le Mali et le Maroc. Le Maroc qui va bien sûr défendre sa couronne. Joseph-Antoine Bell est avec nous et la belle Dorette qui nous fait le plaisir et l'amitié de nous prêter son expertise. Elle vient de Paris, elle est du staff du PSG-FI et l'immense Emmanuel Mabouankessak Pelé. On analyse bien sûr ce match, sur les ressorts de cette défaite. On a parlé de ce déséquilibre. La notion d'équilibre est très importante. On a vu l'équipe du Cameroun être compacte et créée haut. Et immédiatement, on a vu des distances entre les lignes. Et les Marocains se retrouvaient et jouaient des passes rapides en transition. Est-ce que ça peut expliquer cette déconvenue avec le gardien qui, quelquefois, voyait des vagues arriver? Oui, ça peut expliquer. Il faut savoir que le Maroc a un jeu. D'abord, c'est des techniciens. Les Maghrébins, en général, touchent bien au ballon. C'est des gens bien adroits par rapport à nous.
Et nous, ça nous sommes. Été le cas, hein. Oui, mais oui. De la Grim Team 2002. Oui, mais 84 à Abidjan. Nous, on avait cette équipe. On avait le feu docteur Abiga. On avait des joueurs de ballon, le Mbidarante. C'est différent. Il n'y a rien à voir avec les manières de ballon. Nous, on avait une équipe. Nous sommes allés presser haut. On a laissé des espaces derrière. Les Marocains jouaient en une, deux touches en triangle. Ils se retrouvaient. Ils ont mis tout ce qu'il fallait. Et non, le Maroc a joué sans forcer. Le Maroc n'a pas joué à 90%. Ils ont joué tranquille, nous ont laissé venir. Ils ont exploité les contres, ils étaient habiles. Nous, on a eu ces mêmes contres. En deuxième mi-temps, on n'a pas pu parce qu'on n'a pas de joueurs de ballon. On a mis trois demi-défensifs, hein, c'est des demi-défensifs. On avait des joueurs sur le couloir, ils les ont bloqués. On n'a pas fait du jeu. Donc, moi, je ne suis même pas surpris déjà de cette défaite. Il y a parfois, ça vous dépasse. Il y a parfois où vous acceptez non, la défaite. Non, Dorette. Il faut être faible. Il faut accepter. Il faut accepter la défaite. On n'avait pas les joueurs pour ce système. On n'avait pas les joueurs avec des qualités pour jouer comme ça. Le temps des matchs remporte cette victoire, Dorette. Alors, nous sommes sur une demi-finale, mais il faut reconnaître que le Maroc était supérieur. Il a su, l'entraîneur a su profiter de nos faiblesses. C'est-à-dire que les joueurs, c'était comme un entraînement, un jeu de fin d'entraînement. Est-ce que finalement... dans un jour sans. Parce qu'on a vu d'énormes déchets. Eh bien, c'est pour ça que je parlais de préparation, de préparation mentale. Là, aujourd'hui, il n'y avait pas que la préparation mentale. Le Maroc était supérieur. Ils ont utilisé des principes de jeu simples, en fait. Se déplacer entre les lignes. Du jeu à deux, à trois. Vous avez vu le deuxième but ? C'est un parle d'enjeu. Mais l'attaquant Raimi, comment il s'appelle Raimi, il fait un appel intérieur, il amène deux joueurs et il y a les deux qui restent sur le côté et on met un ballon derrière la défense, on met dit hors-jeu. Il n'y avait pas hors-jeu. Je pense qu'aujourd'hui, il faut accepter la défaite, mais reconnaître aussi la supériorité de l'équipe adverse. On ne va pas chez le bébé avec le Dubin. Il y a du bon dans cette équipe du Cameroun. On peut bâtir là-dessus. Ah oui, on peut bâtir, mais je pense qu'il faut encore un peu plus de temps. Il faut de la compétition. Il faut aussi laisser le temps aux entraîneurs. Je pense que l'entraîneur qui arrive aujourd'hui, il a eu que deux mois. Je veux dire, en deux mois, une compétition avec toute la pression qu'on a. J'aurais bien aimé que nos jeunes frères soient les premiers, à jamais les premiers au Cameroun à remporter une compétition. Mais ça n'a pas été le cas. C'était très compliqué. Mais c'est une perf. Arriver quand même dans le dernier carré. Non, on les salue, on les félicite. Mais il y a des matchs où vous dites que si je rejoue, je vais changer de façon de jouer, je vais faire ça. Mais c'est un match qui peut durer 48 heures, on va le perdre. On peut jouer 72 heures, on peut revenir sur 2, 3, 4. On a été dépassé. Les matchs ne se ressemblent pas, Pierre. Non, pas sur ce match-là. Pas que Maroc-Cameroun, à mon avis de technicien. Vous êtes Antoine Bell ? Oui, Raphaël. Départagez-nous. Je suis mort de rire parce que Raphaël, oui. il faut faire la différence entre des supporters et des gens que vous appelez comme experts. Ils ne doivent pas être supporters de l'équipe. Ils vous disent ce qui s'est passé techniquement sur le terrain. D'ailleurs, comme je l'ai dit en commençant, oublions tout ce qui a entouré l'équipe du Cameroun. Donc maintenant, quand on analyse le match, qu'est-ce qu'on voit ? Moi, je me souviens avoir dit la première fois que j'ai été avec vous que le problème de l'équipe du Cameroun, c'est qu'elle ne fait pas trois passes. Donc, même quand elle prenait le ballon à l'équipe du Maroc pour pouvoir repartir, la passe même de la récupération était déjà revenu aux Marocains. Donc, il n'est pas possible de faire mal à une équipe qui a perdu le ballon si vous-même vous le reperdez à nouveau. Donc, nos problèmes, nos lacunes techniques, ils peuvent être accentués par le fait qu'on n'a pas eu de compétition, parce que ne pas s'entraîner ou ne pas avoir de compétition pendant longtemps, ça veut dire vous manquez de ballon, vous manquez de terrain, on peut toujours vous faire courir, mais même la course, vous ne tiendrez plus. Donc, bref, il se trouve que, malheureusement, entre les lacunes de nos joueurs et le choix tactique, en réalité, le fossé s'est creusé beaucoup plus large encore.
Et donc, il y avait très peu de chances de gagner aujourd'hui. Joseph-Antoine Bell, surtout comme ça, oui. Est-ce que le mérite ne revient pas à cette équipe marocaine qui a su se trouver entre les lignes? Ça n'a pas été le cas face au Mali, face au Burkina Faso. Là-dessus, il n'y a pas de discussion possible. Nous leur disons bravo. Ils nous ont présenté une très, 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 très belle copie. J'ai entendu parler d'attaque placée ou d'attaque rapide. Si vous avez vu, les Marocains, en réalité, presque à chaque fois, ils nous ont marqué des buts à une touche. Regardez déjà ceux qui ont de la lucidité. Je parlais de la lucidité. Lorsque nous avons coup franc pour nous et but contre nous, c'est parce que le garçon qui joue le coup franc n'a plus sa lucidité. Il a le souffle court. Il fait une passe qui va sur aucun de ses partenaires. Et c'est le Marocain qui est vigilant, qui arrive et qui a la lucidité en une touche de mettre le ballon au fond. Sur le deuxième but, c'est une espèce de contre rapide où ils ont bien bougé et on a dégarni notre défense du côté droit et axe. Et eux, derrière, ils ont joué rapidement en une touche. Et bon, donc, bref, il n'y a rien à dire. En réalité, aujourd'hui, on dit bravo à nos enfants d'être arrivés là. Mais maintenant, sur l'analyse du match, il n'y a pas moyen de donner de bons points à qui que ce soit sur ce match-là. On leur dit bravo sur les efforts. Je dirais d'ailleurs surhumain, je voudrais vous rappeler quelque chose. Je le dis tout le temps, mais malheureusement, on ne me comprend pas. Nous sommes là, les aînés qui encadrent des équipes sont là pour faire en sorte que les joueurs passent un bon moment. Parce que la victoire finale n'appartient qu'à une seule équipe, mais ce que tout le monde peut partager, c'est le bon moment ensemble. Aujourd'hui, l'organisation camerounaise au plus haut niveau a livré Joseph-Antoine Bell en pâture. Joseph-Antoine Bell. Vous ne pouvez pas imaginer, moi, je Joseph-Antoine Bell. Perdre 4-0 à Joseph-Antoine Bell. C'est quelque chose, oui. On aura l'occasion, bien sûr, de revenir sur les problèmes périphériques. Nous étions, bien sûr, lancés dans un débrief technico-tactique. Nous sommes pris par les contraintes de temps. Le temps dicte son tempo dans tout de champ. Notre confrère, la rubrique confrère du jour. Avec un supporter des Lions indomptables, resté footballeur dans l'âme, c'est Faustin Dicam, qui est le confrère du jour. Je suis agréablement surpris par tout ce que je vois depuis l'ouverture de ce champ chez nous au Cameroun. Vous savez que c'est une compétition qui a été précédée par beaucoup de problèmes, déjà à la pandémie, du coronavirus qui a fait reporter la compétition et aussi des problèmes d'infrastructure dont on parlait beaucoup, surtout dans les réseaux sociaux, mais qui sont aujourd'hui réglés à travers tout ce que nous voyons aujourd'hui. Vous voyez qu'aujourd'hui, le Cameroun est en passe de devenir l'une des plus grandes nations de football et même de sport en matière d'infrastructure, parce que ce qui nous est offert, jamais de chroniqueur sportif que j'ai été avant, je ne l'ai vu dans aucun pays ici en Afrique. Tribune d'Afrique est un journal à vocation panafricaine et qui est un journal d'information générale. Donc pour cette édition du CHAN, nous avons tout fait pour aménager des plages d'informations plus grandes. Souvenez-vous qu'il y a des quotidiens et il y a même des chaînes de télévision comme vous, des radios thématiques qui travaillent sur cette compétition depuis le début. Donc nous leur avons donné pour mission de voir les à côté de cette compétition, de prendre les avis des acteurs sur le terrain et de ceux qui sont sur les gradins, d'essayer de voir avec les organisateurs qui sont sur place ce qu'ils peuvent nous donner comme information allant dans le sens d'améliorer encore davantage cette compétition chez nous au Cameroun. Il ne manque plus que 5 minutes avant de conclure cette édition. Je voudrais d'abord me tourner vers Dorette. Dorette, on est un peu triste ce soir, mais sur un match, on disait tout à l'heure, il ne faut pas acheter le bébé avec l'eau du bain, il y a eu des points de satisfaction cette équipe, l'esprit des Grinta, cette culture de la gagne, il faut bâtir là-dessus.
Je pense que le Cameroun a toujours été une équipe avec son Hemlé national. On l'a vu sur le dernier match avant la qualification pour les demi-finales. Mais aujourd'hui, la marche était un peu haute. Je pense qu'ils ont été envahis aussi par le stress. On l'a vu sur le but, sur le rêve du gardien. Il rend le ballon. Relance approximative sur pas de passe, c'était limite à tous les niveaux, mais c'est aussi par le niveau de jeu que le Maroc nous a proposé. Le Maroc était, ils étaient calmes, ils étaient comme à l'entraînement. C'est-à-dire que c'est aussi parce que on met en place un système de jeu qui permet de garder le ballon alors qu'on ne peut pas garder le ballon. On a bien sûr retenu cette défaillance d'avoir mis un système en arbre de Noël qui consistait à aller chercher, créer cette équipe du Maroc. Pelé, il y a des points de satisfaction et un troisième match qu'il faut gagner samedi. Voilà, il faut jouer avec nos moyens. Il y a un troisième match à jouer, les joueurs doivent rester concentrés. Mais il faut aussi savoir que le Hemlé ne peut plus souffrir. Même si vous avez le Hemlé, vous avez la détermination positive et que la marche. Oui, mais je suis positif en disant qu'on va jouer, un troisième, le match de classement, on doit travailler. Mais là, on revient sur la traçabilité, comme Nankam disait. Revenons sur des bases, travaillons vraiment, laissons les guerres, laissons les querelles, retravaillons notre football, retravaillons sur le football, retravaillons sur la base. Et que perdre 4-0 au Cameroun, c'est impossible. Il faut savoir que c'était. Il y avait quelque chose qui n'allait pas depuis le début du tournoi. On a certes gagné des matchs, on félicite les enfants, mais on n'avait pas les moyens de gagner ce trophée. On n'avait pas. On va remercier toutes les équipes techniques amenées par le réalisateur Michael FM qui nous pousse pratiquement à la sortie. Un clin d'œil également à Madeleine Sopi-Koto, directeur des rédactions qui a su le suivi et le contrôle de tous ces magazines sur et autour de ce championnat d'Afrique des Nations. Retrouvons-nous samedi. On se projettera vers cette finale de dimanche. Finale inédite entre le Maroc et le Mali. Mais samedi, les Lions indomptables se doivent de remporter leur match face à la Guinée. On va pousser cette équipe des Lions indomptables. Elle va terminer en beauté dorée. C'était un plaisir de vous avoir ce soir. Bienvenue au Cameroun. Remporter cette troisième place. Pelé, c'était un plaisir. Plaisir partagé, merci. Retrouvons-nous samedi prochain. Bonsoir et au plaisir. Bienvenue au Cameroun.